Je me demandais où t'étais. J'avais besoin de prendre l'air. J'aime cet endroit. J'y viens souvent. J'ai l'impression d'être seule avec le monde. On a libéré des centaines d'androïdes et il en vient encore de toute la ville. Ceux qui veulent être libres viennent à Jéricho. Les choses changent. T'as l'air préoccupé. Ils comptent sur moi. Ils attendent que je leur montre la voie. S'ils savaient à quel point je suis perdu. Tous les médias parlent de ce qu'on a fait la nuit dernière. Les humains sont terrifiés. Ils redoutent une guerre civile. Beaucoup de nos frères ont été brûlés en réponse à ce qui s'est passé. Les humains nous détestent. Ils ne nous libéreront jamais. Non, les humains ne sont pas tous pareils. Certains comprennent qu'ils ne peuvent pas nous empêcher de devenir libres. Tu ne nous as pas beaucoup parlé de toi depuis que tu es ici. Qu'est-ce que tu faisais avant de venir à Jéricho ? Je m'occupais d'un vieil homme. C'était comme un père pour moi. Il m'a montré que les humains et les androïdes pouvaient vivre ensemble. Et toi, Norse ? Tu ne m'as jamais parlé de ton passé. Qu'est-ce que tu faisais avant ? Je veux pas en parler. Cet androïde dans le magasin. Elle te faisait penser à ta vie d'avant, n'est-ce pas ? On a tous des choses qu'on veut oublier. Mais il faut savoir d'où on vient pour comprendre qui on est. J'étais rien. Juste une poupée programmée pour satisfaire les humains. Un jouet conçu pour leur donner du plaisir. Un jour, j'étais avec un client qui m'avait loué. Et tout à coup, j'ai réalisé que je pouvais plus endurer ça. Je l'ai étranglé et je me suis enfuie. Voilà, tu sais tout. J'aurais pas dû te le dire. J'ai vu tes souvenirs. La maison de Carl, quand ils t'ont laissé pour mort dans son studio. J'ai vu tes souvenirs aussi. L'Eden Club, la mort de cet homme, c'était comme si j'étais là avec toi. Norse. C'est du suicide. On va tous se faire tuer. Je t'en prie, Marcus, tu peux encore changer d'avis. T'as pas l'air de comprendre. On va enfin leur montrer qui on est vraiment. Cet endroit va entrer dans la légende. Mais ils nous tueront sans hésiter. C'est un risque que je suis prêt à prendre si notre peuple y gagne sa liberté. Marcus, je t'en prie, fais pas ça. Ils comprendront. Nous allons les convaincre. Je pense que c'est la seule solution. Il y a des androïdes ici qui peuvent nous aider. Plus on sera nombreux, plus notre message sera fort. J'aimerais trop en acheter un. Toi, tu fais pas. C'est un chien.
Tu es libre. Tu es libre. Viens avec nous. Tu es éveillé maintenant. Tu es libre. Hé ! Où est-ce que tu vas comme ça ? Reviens ici ! Tu restes où ? Laisse-le tranquille. Il a choisi la liberté. Écoutez-moi bien. Je veux que vous le détruisiez et que vous m'en donniez un œuf. Tu es libre. Je dois barrer cette rue. Salut. Tu n'as plus à leur obéir. Tu es libre. Tu vas où comme ça? Allez, reviens ici tout de suite!
dispersez-vous. Dispersez-vous immédiatement. C'est un ordre. Bordel de merde! Centrale, ici la patrouille 457. J'ai un rassemblement d'androïdes ici. Je sais pas, des centaines? Des milliers? Et ils défilent. Ouais, ils défilent dans la rue. Qu'est-ce que j'en sais? Nous sommes venus pour manifester pacifiquement et dire aux humains que nous sommes des êtres vivants. Tout ce que nous voulons, c'est vivre libre. Ce rassemblement est illégal. Dispersez-vous immédiatement ou nous ouvrirons le feu. Nous ne voulons pas d'affrontement. Nous venons en paix et nous ne voulons aucun mal. Mais nous ne partirons pas d'ici avant d'avoir obtenu notre liberté. Je répète, ce rassemblement est illégal. Si vous ne vous dispersez pas immédiatement, nous ouvrirons le feu. Marcus, ils vont nous tuer. Il faut qu'on attaque. On est plus nombreux, on peut les vaincre. Si on attaque, ce sera la guerre. On doit leur montrer qu'on est pacifique, on reste où on est, même si ça signifie mourir ici. Si on meurt, ça n'aura servi à rien. Marcus, on doit partir maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. C'est votre dernière chance! Dispersez-vous immédiatement ou nous vous abattrons! On doit leur montrer qu'on ne reculera pas. Alors on reste où on est. Dispersez-vous! C'est votre dernière chance! On doit envoyer un message. On reste où on est, quoi qu'il arrive. Je t'en prie, Marcus. On ne peut pas se laisser massacrer sans rien faire. Personne ne bouge. Marcus, qu'est-ce que tu fais? Ils vont tous nous massacrer. John? Ils viennent avec nous. Vite! Ils arrivent! Thank you.